À 14 ans, au lycée, il découvre l'inégalité partout, sauf au football, sa première passion. Sur un stade, on ne vous demande pas s'il y a l'eau courante à la maison ou si votre mère travaille chez les riches. On joue bien ou on joue mal. Lui joue bien. Il choisit d'être gardien de but. Solitaire dans sa cage, mais solidaire du reste de l'équipe. Une double attitude qui deviendra une ligne de vie. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.